c'est Thaïs qui gère les manips. Demain j'claque le pénèbre chez Philippe Lain. J'appelle Jougim, Jim, on t'a la city. Ces fils de pute veulent ma peau, dis-leur qu'on est plein. Maintenant faut passer les manettes, la canne. Salut tout le monde, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc vous allez vous dire, mais Max, ta facecam n'est pas accordée avec ta voix. Mais les gars, c'est totalement normal parce qu'aujourd'hui, les gars, je vous présente, en fait c'est un gameplay que j'ai réalisé, donc c'était en live commentary, pas vraiment. Donc en gros, j'étais en train de jouer comme ça, sauf que j'ai pas dit un mot de mon gameplay. Et puis je trouve que c'était assez sympa, c'est un gameplay au snipe. Enfin voilà, je suis pas un monstre au snipe, je me dis pas que je joue au snipe, mais genre voilà, je trouve qu'il est bien regardé. Et aujourd'hui, je vais raconter une histoire un peu sur ma vie. Donc voilà, je s'appelle Story Life, les gars, je vais essayer d'en faire quelques-uns. N'hésitez pas à me dire ça vous plaît, même si bon voilà. Je sais pas si il y en a pas beaucoup de youtubeurs qui font ça en ce moment, mais bon, moi j'aimerais bien vous raconter un peu des bails comme ça que ça arrive dans ma vie, tu vois. Et du coup, en gameplay, t'as un petit gameplay au snipe comme ça avec ma tête de concentré. Et je préfère les gars faire ce truc sans facecam parce que comme ça vous concentrez vraiment sur mon histoire et sur ma voix et sur le gameplay en fait, tu vois. C'est vraiment un gameplay assez tranquille. Et les gars, si vous voulez vraiment que je le fasse en facecam, dites-le dans les commentaires ou bien vous préférez un peu comme ça, un peu tranquille, pas de pression, on est au calme. Donc les gars, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un truc qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune. Donc genre j'avais... désolé si j'ai pas trop la patate, les gars, je peux pas trop gueuler fort. Et je le fais allonger dans mon lit vraiment en mode gros blédard, le commentary. Du coup les gars, c'était quand j'étais petit, tu vois. J'avais 6-7 ans, tu vois. Et donc le titre de la vidéo, c'est genre j'ai perdu un doigt, je sais plus ce que je vais mettre, tu vois. Mais vraiment... c'est pas vraiment du putaclic les gars parce que ça a failli arriver. Bon, je vais tout vous expliquer. Donc en gros j'avais 7 ans ouais, un bail comme ça. Et donc j'étais à une fête de famille tranquille, on était avec toute la famille, on était à Paris, nanana. Et tu sais à l'époque quand t'es un peu gosse, tu vois, t'es un peu fifou, tu sautes partout, tu cours partout comme un ouf. Et moi tu vois, j'étais tellement un triso gros que j'ai couru comme ça. Et là il y avait un tapis gros. Tu vois, c'était vraiment la fête. Attends, gros, il était 9h. Je buvais du jus d'orange, t'imagines le bail. Non, mais voilà, tu vois, j'étais un gamin encore. Donc, boire du jus d'orange le soir. Enfin, voilà, tu vois, j'étais totalement ouf dans ma tête. Je courais partout. C'était... Il y avait tous les cousins, tu vois le bail. Je pense que t'as tout vécu ça. C'est genre à Noël, quand t'as tes cousins et tout. Bon, tu vois le délire. C'était pas Noël, mais bon. Donc, du coup, j'avais un verre et de ça. Et je venais de terminer ce que j'avais dedans. Du coup, je cours à la cuisine pour me resservir, tu vois. Et là. Qu'est-ce qu'il y a avant la cuisine les gars? Donc c'est à Paris dans l'appartement de mes grands-parents, tu vois. Il y a un tapis, tu vois. Et je glisse sur le tapis. Je m'éclate par terre. Et il y a un bout. Le verre éclate en 1000 morceaux, tu vois. Et il y a un bout de verre qui coupe mon doigt. Mon doigt, donc les gars, je vous mettrai une petite photo à l'écran maintenant, je pense. Donc les potes, voilà, voici ma cicatrice. Voilà, juste là, elle est assez grande quand même sur la moitié de mon doigt. Ouais, on va pas se mentir que c'est assez impressionnant quand même, petite cicatrice. Et ouais, Zoro frérot, qu'est-ce que tu crois? On dirait pas je suis Harry Potter un peu. Et voilà les potes. Après voilà, les gars, juste au niveau du gameplay, hein. Petite coupure au niveau du gameplay les potes. C'est pas un truc de ouf, hein. Il y a des gens mille fois plus forts que moi au snipe. Hein. Moi c'était au début du jeu, j'étais en mode chill, donc vous voyez aussi ma tête de concentré, c'est ça qui est marrant je trouve dans ce gameplay. Et puis les gars, du coup, je vous disais, je me casse la gueule et tout, et là il y a un bout de verre qui coupe mon doigt. Et j'avais 7 ans les gars, et c'était vraiment chouette, tout le monde qui s'est ramené. Je suis allé à l'hôpital, je vous explique. Alors mon doigt, le bout de verre il a coupé l'os, le nerf, le tendon, il a tout coupé, sauf la peau. Je crois qu'il restait juste la peau les potes, vous imaginez, le doigt il pendait, il était retourné les gars. J'avais tout coupé, tout cassé, c'était la merde. Du coup en urgence on m'emmène à l'hôpital. Et c'était tellement urgent, tu vois, qu'ils ont essayé de m'opérer dans le garage. Ça, c'était un truc chelou. Ils m'ont emmené dans les sous-sols de l'hôpital. Et ils ont essayé de m'opérer dans le garage, les gars. J'arrivais pas, je gueulais, je souffrais, les gars. Ils m'avaient pas anesthésié, c'était vraiment la merde. Du coup, ils m'ont emmené à Necker. Je sais pas si vous connaissez ceux qui habitent à Paris, c'est l'hôpital pour les enfants, tu vois. Vraiment sérieux, cet hôpital, les gars, c'est un autre délire. C'est vraiment le meilleur hôpital pour enfants du monde, je crois, ou de France. Mais comme ça, je sais pas. Et du coup, là-bas, il y avait des chances que je ne récupère pas mon doigt. La chirurgienne nous a dit qu'il y avait des chances que je récupère pas mon doigt. Avec de la chance, j'ai récupéré. Par contre, j'ai une sacrée cicatrice, les gars. Je vais vous montrer ça. Vraiment, j'ai failli perdre le doigt, ce doigt, les gars. Je vous mens pas, hein, les gars. J'ai vraiment pas failli perdre mon doigt. Donc, c'est sur la main droite, les gars. Je vais vous montrer ça. Donc, voilà, ça m'aurait vraiment fait chier de perdre un doigt de la main droite. Bon, heureusement, j'utilise pas ce doigt pour jouer à la play. Bon, tu vois le bail. Le gros geek. Non, mais voilà, j'étais petit et tellement le truc était violent pour un truc au doigt. J'ai eu un plâtre sur tout le bras pendant 2 mois, je crois. Un truc comme ça. Vraiment, c'était vraiment du sérieux, les gars.
J'ai dû faire de la rééducation avec des boules en mousse et tout ça, n'importe quoi. Du coup les gars, je vous mettrai une petite photo à l'écran, une petite vidéo. Vraiment, mon doigt c'était vraiment chaud, j'ai failli le perdre. Les gars, sinon, je voulais vous faire 2-3 petites annonces. N'hésitez pas à aller checker mon Snapchat. Les gars, je vous affiche maintenant à l'écran, les gars, parce que je fais pas mal de souris de quand je suis en Angleterre. Donc si vous voulez checker un peu, m'ajouter, je vous ajoute tous, y'a aucun problème. Et les gars, dans ma dernière vidéo, je vous ai demandé si vous voulez que je fasse un vlog. Et j'ai fait un vlog, les gars. C'est bon, j'ai tourné tout le vlog. Là, je me suis au montage. Donc, cette vidéo, elle sortira le vendredi. Et le vlog, je vais essayer de le sortir genre le dimanche ou un truc comme ça. Donc, voilà. Si ça vous fait plaisir, le vlog, il faudra que vous bombardez les likes sur le vlog. Parce que je pense que je vais faire 2 parties sur eux. Parce que c'est un peu long. Je suis allé au KFC, Starbucks. On a fait du petit shopping. Tu vois, les boys. Non, franchement, le vlog, il est bien. J'ai pas encore fait le montage, mais ça va être le feu. Là, je viens de rentrer. En tout cas, les gars, j'espère que cette petite story live vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse des story live. J'ai pas mal de trucs à vous raconter sur ma vie. Désolé les gars, je parlais pas trop fort, hein. C'était un peu calme, tu vois, c'était vraiment ambiance tamisée, la petite musique, un petit gameplay sympa. J'ai pas trop la grosse patate comme d'habitude, tu vois, je peux pas trop gueuler. Mais bon, voilà les gars, j'espère que ça vous aura fait plaisir, pardon. C'était Max pour cette petite vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas aussi à aller checker mon Twitter. Alors mon Twitter les gars, c'est Sigma2-Max. Donc ça ferait super plaisir si vous allez me follow, là je suis déjà à 600 followers. Voilà, ça fait que de monter, c'est cool les gars, c'est... je suis hyper actif dessus. Tous les gens qui m'enverront un message privé sur Twitter, je leur répondrai, il n'y a aucun problème. Et sur Snapchat de même, donc tout s'affiche à l'écran maintenant les gars. En tout cas, si vous avez aimé mon petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager la vidéo. Lâchez un petit commentaire aussi, ça me ferait plaisir les gars. C'était Max pour cette petite vidéo sur ma chaîne. Allez, peace les gars. See that ass one more time. And I got this soul.